Nous revoici toujours dans le contexte de l'été 2020 avec le littoral atlantique et nous allons nous intéresser maintenant à l'île de Ré. Nous n'avons pas pu faire l'île d'Oléron, ce sera pour une autre fois et on va parler maintenant de l'île de Ré qui est une île de près de 25 km de long qui représente 100 km de pourtour de côte avec 50% de plage. Mis à part les tarifs que tu vois maintenant projetés sur la route, il faut savoir que, en tant que piéton ou que vélo, il n'y a rien à payer. Rejoindre l'île de Ré en passant par le pont, une petite déception quand même, bien qu'étant assis sur le scooter, c'est la vision qu'on peut avoir, puisqu'à cause du parapet, on voit pas grand chose, sauf sur les dernières centaines de mètres quand on arrive sur l'île. Les bouchons de l'île de Ré, c'est quelque chose de phénoménal et c'est vrai qu'on en a vécu pas mal. Alors, tous les temps de temps, on se retrouve quasiment à l'arrêt et on se demande bien pourquoi. Eh bien, tu le sauras un petit peu plus tard dans la vidéo. Tourner en rond dans une ville que l'on ne connaît pas, c'est quelque chose qui va extrêmement vite, particulièrement dans des villes comme ici fortifiées, puisqu'en fait tout est fait pour favoriser le contournement quelque part de la ville, et finalement si on n'a pas la chance de rentrer par la bonne porte, on peut s'apprêter à sacrément tourner en rond. En général, on a un GPS qui est lancé sur le smartphone avec une oreillette qui permet d'être guidé, mais là on s'était dit que Saint-Martin-en-Ré c'était pas si grand que ça, donc normalement on allait facilement trouver un parking. Erreur. Thank you.
Saint-Martin-en-Ré est le centre historique de l'île. Il se trouve sur la côte nord. Cette ville est absolument splendide, c'est notre coup de cœur de l'été 2020. Plein de restaurants, plein de jolies balades, un endroit très agréable à vivre. Restaurant de la ville de Saint-Martin-en-Ré, nous avons choisi le restaurant de la Marine et ses nombreuses spécialités de produits de la mer et aussi bien d'autres choses. Des Baleines se trouve sur la commune de Saint-Clément-des-Baleines, à l'extrémité ouest de l'île.
considéré comme un véritable havre de paix quand on arrive de villes comme Saint-Martin-en-Ré et ses innombrables touristes. Certaine époque, il y avait d'innombrables baleines qui venaient s'échouer sur ce rivage. Ars-en-Ré sur une carte, on pourrait presque imaginer que son accès à la mer se trouve au sud de l'île, alors qu'en fait, il se trouve au nord, au travers d'un chenal qui traverse des marais salants. Visite de l'île en demi-saison, juin-septembre, sera probablement un très bon plan pour éviter les bouchons.
envie de voir la vidéo qui contient toutes les informations sur ce camping et ses abords, c'est ici que ça se passe. J'espère que cette visite de l'île de Ré t'aura plu. En tout cas, nous, on a été emballés. Bien entendu, on n'a pas tout visité, mais on se réjouit d'ores et déjà d'y retourner. Surtout, si cette vidéo t'a plu, comme d'autres sur notre chaîne, vraiment n'hésite pas, abonne-toi, c'est très motivant pour nous, le pouce bleu également. À bientôt.